Un master plan déjà adopté par l'équipe de Charles Michel prévoyait la création de 90 places supplémentaires en centres fermés pour les étrangers en situation illégale. Le Premier ministre belge annonce aujourd'hui qu'il ira beaucoup plus loin. L'ambition que nous avons, c'est d'aller au-delà, de doubler en une législature le nombre de places en centre fermé. La NVA qui montre donc toute son autorité et son image de parti soucieux de la sécurité de ses concitoyens, ce qui est toujours une opération intéressante à quelques semaines maintenant des élections communales. Il y a entre 7 et 10 millions de citoyens français qui sont les héritiers et les descendants des différents protagonistes de la guerre d'Algérie. Tous ces Français qui vivent ensemble, travaillent ensemble, prennent le métro ensemble, ont besoin d'un récit qui tienne compte de tous les vécus, de toutes les souffrances. Quels sont les premiers résultats? Plus 7% sur les exportations de produits de l'Union vers le Canada. Une hausse notable pour les ventes d'hydrocarbures, de produits pharmaceutiques, de chocolat ou encore de fruits. Côté canadien, les exportations vers l'Europe ont progressé plus 3%. Une contre-performance. Les conditions de la victoire du non ont été préparées suffisamment en amont, de manière à ce que voilà, le pronostic que vous avez dit tout à l'heure en début d'émission, 60 ou 65%, soit quelque chose de plausible. Voilà, c'est fait. Je suis heureux. Texans, allez vous inscrire. On doit faire en sorte que notre État devienne démocrate. Les gens ne vont plus dans leur champ, quittent leur village. Certaines femmes ont la chance, le courage de se réfugier à Panzi, et là sont opérées, réhabilitées. Mais ça n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais ne fait rien. En tant que dessinateur, je suis confronté à des images, notamment une petite fille sur une table d'opération qui a 8 ans et qui a subi des atrocités. Et là, on reste avec cette image-là, mais sans pouvoir faire grand-chose. Donner des émotions, c'est le but. Donc là, avec cette série, c'est mission accomplie. Mais merci. On ne sauve pas des vies quand même. Hein. Non. Ah, si, t'en sauves. Ah, quand même. Non, on ne fait que de la télé.